Alors, un client, pour lui, une entreprise, c'est un peu comme un iceberg. Hein. Ce qu'il voit, c'est la partie immergée, mais ce qui est important, c'est ce qu'il y a dessous. Et donc, l'expérience utilisateur, ce n'est pas uniquement ce que le client voit de l'entreprise, c'est tout ce que l'organisation met en place pour faire en sorte qu'on ait une expérience client ou un parcours utilisateur qui le satisfasse. Et donc, c'est le travail en collaboratif, c'est la suppression des organigrammes et des niveaux hiérarchiques pour que chacun se concentre et s'organise en fonction des besoins clients. Et c'est aussi faire en sorte que toute l'entreprise devienne autonome. Parce que l'expérience utilisateur dépend du délai de décision que l'on a quand on est en contact avec le client. Et ça ne dépend pas que de celui qui est en contact avec lui, mais de l'ensemble de l'entreprise.